Good morning, Aleiden. Nous sommes le dimanche 2 Nissan 5776 et l'étude sera le Nishmat Rachel Batsara et le Fot Tvidov Ben Chaya. Nous étudions Baba Kama Perek Chet Mishnah Zain. Afalpi shehu noten lo, eno nimchal lo, ad sheyevakesh mimenu, shenemar ve'ata eshev eshet aish kinaviyu begomer. Uminain shelo yeh amochel achzari, shenemar ve'itpalel Avraham el ha'elokim, ve'irpa elokim et avimelech begomer. האומר סמת עיני, קטע את ידי, שבור את רגלי, חייב. על מנת לפתור, חייב. קרע את כסותי, שבור את כדי, חייב. על מנת לפתור, פטור. עשה כנאיש פלוני, על מנת לפתור, חייב. בין בגופו, בין במעונו. משנה, très simple. La première partie d'abord de la Mishnah va d'abord nous apprendre une règle importante. Lorsqu'on cause un dommage à une personne et que le Beddin va nous rendre chayav de le dédommager et qu'on va tout payer intégralement jusqu'au dernier centime, il faut savoir qu'on n'a pas fini de s'acquitter envers son prochain. Parce que outre la perte occasionnée matérielle qu'on lui a comblée, on a bouché le trou, supposons qu'il n'y a pas eu de grande perte. Ouais, donc on a comblé, on a toutes les pertes occasionnées, on les a comblées. Mais malgré tout, notre prochain, il a une peine à cause de notre acte. Et cette peine-là, alors, on est encore redevable, on doit encore se soucier de partir l'amadouer, amadouer son prochain, lui demander pardon. Donc la Mishnah nous enseigne, Afalpi shehu noten lo, bien qu'il lui donne tout, il le rembourse intégralement, toute la perte. Eino nimchal lo ad sheyevakesh mimenu, il ne lui sera pardonné complètement sa faute. Ad sheyevakesh mimenu, jusqu'à qu'il le lui demande, la mechila, de lui pardonner. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Ve'ata achev eshet aish. La Mishnah ne nous a pas rapporté tout le verset, mais en réalité, la preuve, elle est de la suite du pasouk. Là-bas, on parle de l'histoire qu'Avimelech avait pris Sarah Imenu, la femme d'Abraham. Il avait voulu la prendre en tant que femme, et alors Hachem avait puni cette nuit-là que tous les orifices des Pélishtim se sont fermés. Et donc il y a eu des grandes souffrances suite à ça. Et Hachem s'est dévoilé à Avimelech dans son rêve la nuit pour lui dire que c'est à cause du fait que tu as pris cette femme que vous êtes en train de subir tous cette grande épreuve de ne pas pouvoir, elle ne pouvait même pas partir dans nos toilettes. D'accord ? Maintenant, Hachem à la fin lui dit, maintenant, va rendre, Hachem Eshet Aish, va rendre la fille, cette femme-là, à son mari, à Avraham. Kinaviou, on ne va pas entrer dans les détails pourquoi la Torah nous précise Kinaviou, mais en tout cas, c'est un prophète. Veitpalel ba'adecha, et là, il lui dit, soucie-toi de lui rendre de manière à ce qu'il va prier pour toi. Donc, on déduit qu'Avimelech, parce qu'il a pris Sarah, ensuite il va rendre Sarah, malgré tout, il ne s'est pas encore acquitté, il a encore la avéra qui est sur lui, la faute qu'il a fait d'avoir osé voler Sarah, elle est encore sur lui. Donc, va te débrouiller pour Amadoué Avraham, jusqu'à qu'il accepte Veit Palel Ba'adecha, jusqu'à qu'il accepte de prier pour toi. Il faut vraiment l'amadouer jusqu'au point où il va complètement effacer toute rancœur envers toi. Ça, c'était pour la preuve de la Mishnah. Maintenant, là, on a parlé pour celui qui a causé le dommage. Ominaïn Sheloyea Mochel Achzari. Maintenant, d'où on apprend que celui qui a subi le dommage, qui ne pourra pas lui dire non, je ne veux pas te pardonner, j'ai trop souffert à cause de toi, peu importe. Non, il a un devoir d'accepter le pardon de l'autre. Et d'où je sais que celui qui a subi le dommage, qui veut maintenant pardonner, n'aura pas le droit d'être achzari. Désolé, le mot ne me vient pas à la tête. Le achzari, c'est qu'il est achzari, le contraire de miséricordieux. D'accord, c'est pas grave. Shenemar va'itpalel Avraham el ha'Elohim va'irpa Elohim et Avimelech ve'gomer. On remarque là-bas que, en l'occurrence, cruel. Oh, ça m'est revenu. D'où je sais que celui qui pardonne ne devra pas être cruel, comme le passage nous enseigne qu'Avraham a effectivement accepté le pardon d'Avimelech et qu'il a prié pour lui et Hachem a guéri Avimelech, donc il a rouvert tous les orifices de tous les Pélishtim. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah maintenant, on va entamer un problème plus technique. C'est, on va le faire dans les mots directement. A Omer Samet Eni Keta Etiadi Shvor Etagli.
masochiste, va voir son prochain, son copain, et lui dit, fais-moi plaisir, crève-moi un œil. À Omer, il lui dit, Samet Eni, crève-moi un œil. Ouais, Samet Milachon Souma, rendre aveugle. Donc crève-moi un œil. Keta et Tiadi, coupe-moi une main. Shvor et Ragli, ampute-moi un pied. Khayav, si l'autre lui dit, pas de problème mon frère, ce que tu veux je te fais. Et qu'il lui coupe, malgré tout, la Mishnah enseigne, Khayav, il devra le dédommager. Ah, mais tu m'as demandé, c'est vrai, je t'ai pas dit que j'allais te rendre ta tour, j'allais te dispenser. Donc tu dois me dédommager. Maintenant regarde encore plus fort que ça. Almenat liftor khayav. On traduit les mots à condition qu'il dispense khayav. Il devra malgré tout le dédommager. Pourquoi j'insiste à traduire les mots tels quels? Parce qu'en fait, il y a deux explications dans la manière de comprendre cette phrase. Il y en a qui ont expliqué que dans tous les cas, même si, a priori, le fameux masochiste Valmore lui dit « S'il te plaît, ampute-moi un pied et almenat liftor et je te dispenserai, malgré tout, il est khayav, il devra le dédommager. » Et la raison dans ce cas-là, elle est simple. Elle est qu'un homme, ça n'existe pas d'être un vrai masochiste en fait, un homme n'a pas d'intention sérieuse, même quand il te dit de faire quelque chose aussi fou, de lui couper un membre ou de le rendre aveugle. De ce fait, si tu passes à l'acte, même si tu as dit hey, « je vais te dispenser », malgré tout, tu devras quand même le dédommager. Ça, c'est une première explication. Il y a une deuxième explication apportée par le Tosfot Yom Tov. En fait, c'est le Prisha dans le Chochet Mishpat, dans le Shulchan Aruch, un avis comme ça qui dit que non, il ne faut pas lire comme ça. Celui qui dit « Almenat liftor », c'est en fait celui à qui on a demandé de causer le dommage, c'est-à-dire Reuven va voir son copain, Reuven c'est masochiste. Il va voir son copain et lui dit « S'il te plaît, je t'en prie, coupe-moi une main. » Et l'autre, il lui dit « Mais Almenat liftor, tu me dispenses ?» Et l'autre lui répond « Mais ouais, bien sûr. » Et donc il lui coupe la main. Et alors là, dans ce cas-là, uniquement le renchaïr, on lui dit « Mais dis-moi. » Parce qu'il va lui dire « Mais... » à exclure d'abord, à exclure le cas où, a priori, Reuven va voir son copain et lui dit « S'il te plaît, fais-moi plaisir. Coupe-moi une main et je te dispense complètement. » Alors, dans ce cas-là, s'il nous coupera la main, il sera dispensé. Quelle est la différence entre ces deux cas de figure? Le Sma explique, le Prisha, quoi, enfin, il explique, le Prisha et le Sma, c'est le même, sauf que le Prisha, c'est sur le tour, et le Sma, c'est sur le Shulchan Aruch. C'est fermé, Ratanaïm, c'est un commentateur à la fois du tour et à la fois sur le Shulchan Aruch. En tout cas, il explique que la différence, elle est simple, elle est que, à partir du moment où je t'ai demandé de me couper la main, mais je t'ai pas dit que j'allais te dispenser, et tu me dis, ah, mais quoi, tu me dis pas, tu me dispenses. Alors là, quand je veux te répondre, oui, bien sûr. Alors l'intention, elle est que je me fous de toi, en fait. Je me moque de toi complètement. C'est une manière de répondre à son copain hein, qui pose une question bête. Alors on lui répond, c'est une réponse bête. On joue le jeu. En fait, je lui dis, coupe-moi la main. Eh, tu veux me couper la main? Et il me dit, mais quoi, et tu me dispenses? Je lui dis, ouais, bien sûr. Ça voulait dire que j'étais pas sérieux. Je prenais pas ça au sérieux. Mais si, a priori, je viens avec un ton affirmatif, et je te dis, coupe-moi la main et je te dispenserai de tout, alors que l'autre n'essaye même pas de se moquer de moi ni rien du tout. Alors dans ce cas-là, on interprétera qu'il était réellement sérieux, qu'il voulait vraiment le dispenser. Il n'aura aucun zhrout, aucun droit de lui réclamer le prix de la main. À la différence maintenant, on continue la même scène où on lui demande de couper et l'autre qui réagit, mais cette fois-ci, au lieu de porter atteinte à son corps, il lui demande de porter atteinte à ses biens. Kra et ksuti. L'ikroa, déchirer. Déchire mon ksout, mon vêtement. Shvor et kadi, chayav. Casse ma cruche. Dans ces cas-là, il devra aussi chayav. C'est-à-dire, Reuven va voir son copain, Shimon, et lui dit, déchire-moi ce vêtement, je ne veux plus le voir. Donc, Shimon passe à l'acte, et le déchire. Après, Reuven lui dit, merci beaucoup, maintenant, rembourse-le-moi. Tu m'as causé un dommage. Je t'ai demandé, cause-moi un dommage. Tu m'as dit oui, ben, t'es gentil. Donc tu m'as fait le dommage. Tu dois maintenant me dédommager. Par contre, almenat liftor, pas tour. Si on a précisé, à condition de le disculper, de ne lui réclamer, de ne rien lui réclamer, cette fois-ci, pas tour. Parce que dans ce cas-là, ça arrive que parfois, une personne demande à son prochain de lui casser un. Peu importe ce que ça peut être, ce stylo qu'à cause de lui j'ai fait un accident de voiture, ou cette montre que j'ai reçue de mon arrière-grand-père et que je ne veux plus la voir, alors ça arrive qu'un homme demande à son prochain de lui porter atteinte à ses biens. De ce fait, il est sérieux au moment où il lui dit à Almenat Liftor qu'il va réellement le dispenser de dédommager. D'accord ? Voilà pour cette deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, troisième partie de la Mishnah, c'est très simple.
On va parler maintenant d'un cas où Réhouven va voir son copain Shimon et lui dit « Va causer un dommage à Lévi, une troisième personne, peu importe si c'est un dommage physique ou bien matériel, dans tous les cas, ce sera Shimon, celui qui va partir causer le dommage, qui sera Khayav, même si Réhouven lui a dit « T'inquiète pas, je couvre moi tous les frais. » Parce qu'on a une grande règle qui nous dit « En shaliach lidvar avera ». On fait ça d'abord dans les mots, après on explique ça un peu mieux à l'oral. « Ase ken le ish ploni » va faire telle ou telle chose à telle personne. « Ish ploni » ploni ça veut dire telle personne, c'est une manière de dire telle personne. Donc « fait ainsi à telle personne, soit de lui porter atteinte ». Tous les cas qu'on a évoqués, lui crever l'œil, lui couper la main, ou encore même lui déchirer le vêtement, lui casser son caddie, sa cruche, dans tous les cas, « almenat liftor » et qui lui précise en plus, « Almenat liftor, et tu seras dispensé. » C'est-à-dire, c'est moi qui vais couvrir tous les dommages. Malgré tout, « Chayav », ce sera celui qui cause le dommage, qu'il devra le dédommager. Celui qui fera le dommage concrètement, donc Shimon, « Ben begufo, ben bamamono », qu'il ait porté atteinte à son corps, ou qu'il ait porté atteinte à son bien. C'est-à-dire que Shimon ait frappé directement Lévi, ou bien qu'il lui a cassé ses biens, sa voiture, ou son vêtement. Pourquoi ? On a une règle que « En shaliach lidvar avera » on ne peut pas devenir shaliach, un envoyé, pour accomplir une avera. En réalité, on a déjà appris ce principe-là dans le perek précédent, et là, il est de nouveau répété pour garder la symétrie avec toute la Mishnah, de garder le même style, « Amenat liftor, chayav, patur ». Et en fait, l'idée, elle est simple, on la rappelle, « Divra arav, divra talmid, divra mishomim » lorsque ton maître et ton camarade te demande de faire une chose et son contraire. Ton maître te dit « Fais telle chose » et ton camarade te dit « Non, fais le contraire. » Qui tu dois écouter ? Tu dois écouter ton rave. Donc quand tu as décidé d'écouter ton copain, ton camarade, c'est toi le fautif, c'est pas le camarade. L'idée est la même. Hachem nous dit « Ne cause pas un dommage à ton prochain. » Quelqu'un d'autre vient te dire « Va causer toi un dommage à ton prochain. » Donc tu es fautif au moment, à partir du moment où tu désobéis à Hachem, tu n'avais pas le droit d'écouter ton prochain. C'est-à-dire, même si dans la Torah, le principe de shlichut, d'envoyer un émissaire pour accomplir quelque chose, une action, ça marche. Normalement, l'émissaire qui a le shaliach, d'accord, la tierce personne, l'émissaire qui a accompli l'action, on considère que c'est celui qui l'a envoyé qui a accompli cette action. Lorsqu'il y a cette règle, que c'est pour faire une avera, que l'émissaire, que l'envoyé t'envoie accomplir, l'envoyeur, désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui, ça va pas du tout, mais c'est pas grave. L'envoyeur t'envoie faire cette avera, alors sache que tu n'as pas le droit de partir l'accomplir, de ce fait tu vas l'accomplir, considère que c'est toi, de ta propre initiative, qui a décidé de partir la faire, et donc on te condamnera à toi, l'envoyé. Voilà pour la Mishnah, et on fait le Bar Tanoura, Bezrat Hashem, très rapidement. Almenat liftor chayav. Le Bar Tanoura va juste nous expliquer la deuxième partie de la Mishnah, en fait, l'essentiel, où on apprenait la différence entre porter atteinte à son corps et porter atteinte à son bien, lorsqu'il le demande donc de lui causer le dommage, que pour son corps, même quand il lui dit « Almenat liftor », à condition de te dispenser, il doit malgré tout le dédommager, tandis que pour son bien, il ne devra pas le dédommager. Alors le Bar Tanoura va nous expliquer la mise en scène. « Im sha'alo chovel la nechbal » si ensuite, celui qui est préposé à causer le dommage, demande à celui qui devra encaisser le dommage, Almenat liftor otiata omer samet ani, tu as réellement l'intention de me dispenser, de payer si je te crève l'œil, veshivo anerbal, et l'autre endommagé lui dit, ouais, bien sûr, afal pichen chayav, malgré tout, celui qui causera le dommage sera chayav, sera condamné à le dédommager. Pourquoi? Shiesh hen shehu kelav. Ça arrive de dire un oui avec intention de dire en réalité non. C'est oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire quoi ça? C'est dire oui, bien sûr, t'as pas intérêt, ouais. Ou bilshon tema marlohen. Et c'est avec un peu étonnement, ou c'est une réponse un peu d'accord. Un style de dire hen, de dire oui. Shender bna adam limchol al tsar gufan. Parce que tu dois comprendre qu'aucun homme normal sur terre accepte d'encaisser un dommage. Et donc, c'est sûr qu'il n'est pas sérieux. Tu dois fouiner un petit peu dans son oui. Est-ce que c'est un oui sérieux ou c'est un oui pas sérieux? D'accord? Aval haomer la chavero shaber et kadi. Par contre, lorsqu'il dit à son prochain, casse ma cruche,
Veshalo Amazik, Almenat Liftor, Otiata Omer, et le landau majeur lui cause toi. Tu as l'intention que je te casse la cruche, mais tu vas vraiment me dispenser. Avalpi chez Shivan Isaac Lav, attention, regardez la nouveauté là. Même si l'endommagé lui dit non, je te pardonnerai pas ça. Malgré tout, Zealav Hukehen. Même s'il le dit non, je te réclamerai. Malgré tout, l'intention initiale de lui demander de lui casser la cruche le dispense complètement de payer. Pourquoi? Tu crois réellement que je t'ai pas dit que avec l'intention que j'ai pas l'intention de te pardonner, d'accord? Olfikar patur shekan derech nadam limchol al nizkei mamonan. C'est pour ça qu'il est dispensé de le dédommager, parce que l'usage, l'habitude est d'un homme est de pardonner les dommages qu'il pourrait lui occasionner. C'est-à-dire, je répète encore une fois ce petit ajout du Bartanoura. En gros, on apprend de cette Mishnah que parfois, lorsque je te demande de faire quelque chose, si c'est une chose ahurissante, et que tu me dis, mais quoi, tu vas vraiment me pardonner? Alors même si je te dis oui, mon oui c'est en fait un non, ça va pas la tête ou quoi? Tu crois que je suis sérieux? On est des fous ou quoi? Et par contre, lorsque c'est quelque chose de très plausible et que je viens et que je te demande tout bonnement, tu peux me causer ce dommage sur mon bien? Alors là, on inclut déjà que mon intention, elle est réellement que tu me fasses le dommage et que je te pardonne et que je te réclamerai rien du tout. Donc dans ce cas-là, même si ensuite, toi, tu me demandes, tu me dis, mais quoi, tu vas rien me demander, même si je te dis, bien sûr que je vais te demander, alors on pourra interpréter ma seconde affirmation comme si je suis en train de me moquer de lui, en réalité, que j'ai réellement l'intention de le dispenser. Et que je lui dis, oui, je vais te réclamer pour me moquer de lui, pour lui dire, quoi, t'es pas assez intelligent, tu crois que je vais te demander de faire quelque chose, et que ensuite, je vais te demander de rembourser. Voilà pour la Mishnah pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée et une semaine pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, Kol Tov, c'est là.